Bonjour mes petites fourmis, c'est Artemis de Serra 46 et j'espère que vous allez à la pêche aujourd'hui. Alors nous allons parler des tout nouveaux bâtiments que nous avons eus avec cette mage. Je parle du fungus mutant et du terrier souterrain. Celui-ci est plus comme un magasin tandis que celui-ci est plus comme un centre de recherche, je vais dire. Pour faire une comparaison qui n'en est pas une parce que c'est pas tout à fait ça. Hein. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs catégories qui ne sont pas encore débloquées, donc on va parler de celle qui est débloquée bien évidemment, la cellule. Quand vous construisez le bâtiment, vous recevez 6 cellules différentes qui sont de niveau 2, 2 étoiles. Vous pouvez les placer et il faudra les faire évoluer. Le niveau maximum pour les cellules est le niveau 35 et le niveau maximum en étoiles est le niveau 8. Vous voyez que si vous sont 2 étoiles, vous serez bloqué au niveau 3, et ainsi de suite, vous voyez, pour les 3 étoiles, 7, etc. Je ne détaille pas, c'est bien noté ici. Donc je vous laisse regarder à votre aise. Comment fait-on pour augmenter le niveau d'une cellule? On fait renforcer, et là, si vous avez des doublons, vous les augmentez, ou alors vous devez avoir des sucs. Comment est-ce qu'on a des doublons? Eh bien, c'est bien simple, on peut les avoir ici dans le magasin si vos leaders en ont mis ou dans le magasin qui est ici à côté. Voici, donc ça c'est les sucs dont je vous ai parlé. Vous voyez qu'il y a 2 magasins et vous pourrez avoir aussi des sucs ici qui vous permettent d'augmenter donc le level de vos cellules. Comment fait-on pour les monter en étoile? Eh bien, c'est bien simple, c'est la deuxième option, c'est promouvoir. Et il vous faudra cet item-ci. Attention que pour les monter, je vais mettre en écrit, ce sera plus clair. Pour les monter 2, 5, c'est des petits noyaux. Et à partir de 6, 7, ce sera des petits et des grands noyaux. Voilà, voilà. Donc les noyaux, on les a également dans le magasin ici. Et dans le magasin ici, vous voyez les petits et les grands noyaux, ils sont tout au bout. Voilà, vous pouvez avoir aussi des petits noyaux sur les lézards. C'est de la RNG, c'est à dire moi j'en ai fait 2 x 5, la première fois j'en ai 1 sur les 5 et la deuxième fois j'en ai 4 sur les 5, donc c'est totalement aléatoire. Si vous avez les 6 cellules ici qui sont activées, vous aurez un bonus spécifique qui va s'activer. Vous voyez ici niveau 0. Une fois que vous aurez activé, vous passerez au niveau suivant. Vous aurez ces bonus-ci, 3% pour tous les soldats au niveau des dégâts. Les vitesses de combat, plus 30, c'est un beau bonus. Il faudra aussi également de la bioessence, mais pour cela, il faudra faire l'expédition à l'Alliance, qu'il n'y a pas encore, et je ferai une deuxième vidéo pour l'expliquer. Revenons maintenant au magasin. Le magasin, le terrier souterrain, c'est un magasin. Vous l'avez pu voir, donc il y a 2 magasins, faites bien attention aux 2 magasins. Le premier magasin, tous les items s'achètent avec des petits champignons fluorescents, j'appelle ça comme ça. Et comment est-ce qu'on les obtient? C'est en faisant les différentes quêtes qui sont ici, les défis. Vous voyez, vous en recevrez au fur et à mesure plusieurs que vous pourrez dépenser. Moi je vous conseille d'acheter les sucs cellulaires et les petits noyaux qui vous aideront à augmenter vos cellules. Si vous pourrez les acheter, ça peut être intéressant pour les insectes ici, mais c'est pas à prioriser. Moi je vous suggère de prioriser les petits noyaux et les sucs cellulaires, et ici également. Vous voyez, vous pourrez aussi avoir des fourmis, des oranges, des ressources, on s'en fout un petit peu, hop hop hop, et donc les grands noyaux. Moi c'est ce que je vous conseille, après vous faites comme vous voulez, il n'y a pas d'obligation. Le premier magasin se réactualise au bout d'un certain temps, le premier ne semble pas se réactualiser. Vous voyez que les items se débloquent au fur et à mesure de certains niveaux. Moi pour l'instant je suis à 7 et comment est-ce qu'on augmente ce niveau? Ben, c'est tout simplement en faisant les défis. Et hop, on fait le défi, vous avez des fourmis qui vous sont données, elles ne meurent jamais, elles sont à vous pour toujours. Donc no stress, faites partir, le combat se lance, vous pouvez l'accélérer. Ça fait 11%, n'hésitez pas, vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez, parce que, voilà, vous voyez, j'ai fait 11%, maintenant je fais 8, donc il y a des fois où ça fonctionne, parfois c'est pas. Ici, le défi de cellules, ben justement, le défi se fait en fonction des cellules que vous avez augmentées, d'où l'importance de choisir les sucs
et les noyaux. Le deuxième défi se fera au niveau de vos évolutions. Donc, moi, de ce que je comprends, mais ce sera demain, ce sera par rapport aux recherches que vous avez faites dans vos recherches classiques. Donc, ce sera ça. À mon avis, il faudra combattre un monstre ou aller à un item. Je ne sais pas encore comment ça va se passer, mais ce sera sûrement un truc du genre. Et vous devrez, ce sera en fonction des évolutions que vous aurez faites. Le troisième jour, ce sera vos fourmis spéciales. Donc, vous allez attaquer et voyez si c'est bloqué pour l'instant. Et à mon avis, vous pourrez rajouter vos fourmis spéciales. Et le dernier jour, c'est les insectes. Même principe. Hop, à mon avis, ces cases-là vont se débloquer et vous pourrez rajouter vos insectes. Et voilà comment vous pourrez monter au fur et à mesure dans les items que vous pouvez débloquer ici. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. Une dernière information, je vous ai dit que les items, voilà, on peut les avoir sur tous les lézards. Vous voyez, sur les lézards c'est 10, c'est 1, sur les lézards 20, c'est 1, vous commencez à en avoir 2 sur les lézards 25, voilà. Et attention à ne pas en farmer trop parce que de toute façon vous ne pourrez faire que 10 lézards par jour. Voilà, j'espère que toutes ces infos vous ont été utiles, qu'elles vous aideront. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit like. Salut.